Mais pas sur l'eau. Mais alors, où veux-tu qu'il navigue ? Je veux dire, pas sur la mer. Il navigue comme toi, tiens, sur le vieux port. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des plus ronds. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas. Le Pékin Express, c'est vous. Avec nous, une caméra et des questions et des réponses. Vos opinions, ce que vous pensez. Avec Daven aussi. Hello Daven ! Salut, alors cette année effectivement on va reprendre la route avec vous pour le Pékin Express. Cette année c'est la route des Incas. Sur la route des Incas, on y sera avec vous. Tu seras avec nous Riquet ? Ouais ouais. Alors voilà, aujourd'hui pour notre micro-trottoir, nous sommes avec Martin. Martin donc que j'ai rencontré là avec Riquet à Notre-Dame-de-la-Gare à Marseille. Donc Martin est quelqu'un qui a fait un peu de route, c'est un jeune globe-trotteur. Donc il connaît un peu la route. Cette année la route des Incas va de Rio à Lima. Donc toi Martin connais un peu le pays là-bas. Si on te dit bon bah demain tu pars là-bas, t'as 1€ par jour et tu te démerdes pour aller de Rio à Lima. Qu'est-ce que t'en penses et quelles seraient tes craintes? J'y retourne je pense. 1€ par jour ça va être un peu juste mais non j'y retourne avec plaisir. Alors là-bas, quand toi tu as été là sur place, à ton avis, est-ce que ça va être aisé pour les candidats de faire du stop, de se faire comprendre et d'être aidé par la population? Oui, s'ils le font dans la bonne humeur et en se respectant eux-mêmes et puis les gens qui les prennent, oui, bien sûr. C'est des gens qui sont relativement ouverts, ça va? Non, mais non, au premier abord, non, parce qu'ils sont fait avoir par les Espagnols, par les Américains, par tout le monde. Mais il suffit de forcer un peu la main et ils ont le sens de l'humour et ils sont très sympas. Mais ils aiment bien être un peu bourrus comme ça au premier contact, mais ils le sont pas du tout. Et sinon au niveau de la nourriture, c'est facile de manger là-bas, de se nourrir correctement? Oui, tous les jours à peu près la même chose, du riz, du poulet ou du poulet, du riz. Et là donc tu as fait le Brésil, tu as fait le Paraguay je crois, c'est bien ça? Bolivie, Paraguay, l'Argentine. Et l'Argentine, donc sur tous ces différents pays que tu as été voir, le mieux pour toi ça a été quoi, le meilleur moment, le top? La Bolivie. Cette année, ça va être le blog vidéo spécial Pékin Express sur la route des Incas. Sur la route des Incas, spécial Pékin Express. Pour tout vous dire, on va circuler en France, on va vous poser des questions et vous allez nous donner vos réponses. Et oui, comment se trouvent les candidats? Sont-ils bien? Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? C'est vous qui allez nous donner vos opinions et nous dire ce que vous pensez du Pékin Express.